C'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai fait plein de trucs. Et donc la recette du guacamole fait maison. Allez, on s'y met. Oignon coupé dans mon avocat mixé déjà, et puis on va mixer le reste. Moi je fais ça comme petit robot, c'est hyper simple. Donc une fois que l'avocat et l'oignon sont bien mixés, on rajoute quelques petites tomates. Moi j'ai rajouté des tomates cerises, pourquoi? Parce qu'elles ont plus de goût, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Les tomates en ce moment ça n'a pas vraiment beaucoup de goût, mais la petite tomate cerise elle, elle a du goût. Donc j'ai mis l'équivalent de 4 petites tomates cerises. Je mixe le tout, je mets du jus de citron et mon guacamole, je le réserve. Je vais le servir avec des chips de pommes de terre fait maison, c'est-à-dire vous coupez des lamelles de pommes de terre, vous mettez un petit peu d'épices dessus, un peu de sel, vous les passez au four, vous les surveillez bien et vous allez voir que vous aurez des chips diététiquement bien plus sympa avec votre guacamole fait maison. Ça nous fait un apéro quand même qui est un peu plus light. Hein. Je fais attention à ma ligne hein, cette année, vous le savez de toute façon. Hein. Le sport, attention, manger plus sainement. Mais malgré tout, on aime bien recevoir. Donc forcément, il faut trouver des astuces. Pour finaliser cette recette, vous mettez l'équivalent d'un jus de citron, d'un citron en jus. Moi, forcément, une méthode facile. Ding, 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 vous voyez un petit peu, le genre. C'est très bien, moi, je trouve, ce truc-là. Et puis, bien sûr, sel, poivre. J'ai mis un petit peu plus de poivre pour relever, mais vous pouvez, si vous préférez encore plus relever, mettre un peu de sauce piquante dedans. Style harissa, où vous savez, les petites huiles qu'on a dans les pizzas et qu'on garde toujours alors qu'on ne s'en sert jamais. Mais cette petite sauce-là peut vous servir parce que moi, vous savez que je n'aime pas jeter. Et voilà, mon guacamole est fait. J'ai pu le réserver, fermer donc les petites pommes de terre au four. Hein, en lamelles, je les passe au four avec un peu de sel et une petite herbe de pommes dessus, ou alors avec mes petites tomates, là ça peut être sympa aussi, et, ou sur des tranches de pain, enfin voilà le guacamole, vous voyez, ou alors allez, vous pouvez même prendre des chips du commerce, mais le rigolo quand même, et le truc est, et l'objet de cette vidéo, vous l'avez compris, c'était quand même, c'est moi qui l'ai fait. À bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Bon, pas toujours, voilà, on fait un peu de tout hein, cette année, vous avez remarqué. On n'a pas que de la couture. C'est pour ça que j'ai même changé mon nom. C'est plus un idée de couture, mais une idée de tendance. Pas tendance à faire à soi-même les choses. Mais c'était trop long et Google n'en voulait pas. Enfin, tout n'en voulait pas. Je voudrais une tendance à faire autre chose. Allez, à bientôt.